Et salut tout le monde, c'est GAP35 et on se trouve pour les qualifications du Faction 3 des Interserveurs saison 4 et je suis avec Gamer, Super, Wanted et Z-Twin. Salut. 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 Donc j'aime dire, on commence par le plus gros match, je pense. Les Stabilo contre Dark, Dark Murtry. Stabilo ? Y'a Warrior, vive le pseudo ! Mais c'est normal qu'il y a Warrior. C'est un gros match, je trouve. Super, vas-y. Oh, ouais, là, c'est qui qui est là... Ah, y'a Tsuka qui est bloqué. Putain, Tsuka. Gab, il est bloqué. Oh là là, c'est... vas-y, tu refermeras. Vas-y, je referme. Bah attends, Tsuka il sort pas, on dirait. Ouais. C'est bon, il est sorti. Ouais, il marque dans le chat. Ils ont galéré. Hein. Il dit je suis dedans. Alors qu'en fait, il est sorti. Stabilo avec Tsukasa qui rush en 1v2, qui va se faire déchirer, je pense. Ouais, en 1v3. Kibom qui commence à prendre. Ah non, Kibom il en fout. C'est The Mask qui prend cher. Ouais, The Mask prend cher, ouais. J'ai l'impression qu'il est pas mi-frappe, mais ça fait aucun dégât. Si, si. Oui. Là, il tape mais un peu difficilement. Ouais, The Mask qui a pris. The Mask qui a mis la popo. Ou la Tsuka qui prend très cher. Et Tsuka, il joue beaucoup à l'arc quand même. Kibom aussi, attention. Kibom, il croit. Mais la Tsuka, il est en 1v3. Et après, il y en avait entre Demon Master et The Mask, ouais, il joue bien là. Là, il recule, il joue à l'arc. Ouais, il a bien fait. C'est moi, il va tuer Hollande. C'est obligé. Ouais, c'est compliqué. The Mask. Non, mais The Mask, c'est Tsuka qui va crever. Non, non, c'est l'inverse. Attention, c'est Hollande. Non, non, non. The Mask, il a tiré plein de flèches sur Hollande. Ça, t'es pas encore au courant de ça. Regarde, regarde, t'as vu, il a dû tirer une popo de heal, Hollande. Là, il lui a foutu 4 coups. Ah, Suki qui vient de mourir. Nestabilo qui c'est un bon match. Tsuka, 3v1. Ah, quoique. Nestabilo en 3v1. Ah non, là c'est non, c'est pas dit. Je crois que non, c'est la Dark Murtry qui est en 3v1, non. Non, c'est bon, c'est toujours. Non, oui, il est stabilo, ils sont en 1v3. The Mask qui va mourir là. Ouais, The Mask il a pu tuer là quand même. Il est à ah non, là c'est bon, c'est. Ah oui. Perfect. Ouais, c'est 3v1, ouais. Donc, perfect pour la Dark Murtry qui se qualifie facilement, j'aime dire. J'avoue. Donc, on se retrouve tout de suite pour le deuxième quart de finale. Allez, à tout de suite. Et re tout le monde, donc on se retrouve pour le deuxième quart des finales, donc les Stone Effect contre la Bubble Team. C'est parti. A votre avis, c'est qui gagne? Alors, la Bubble Effect. Moi, je connais pas trop. Ils sont pas Armand. Je pense plutôt la Stone Effect, moi, bof. Avec Romy et Dark Flame et tout ça. Ou Dark Flame, ouais. Je sais pas. Ouais, peut-être, pourquoi pas. Bon, alors là, franchement, je suis un peu neutre. Là, franchement, c'est vraiment neutre. Ouais, pour l'instant, c'est un jeu de combat à l'arc. Il n'y a pas beaucoup de flèches qui touchent, mais... Ah, c'est parce qu'ils ont vu les arcs, à mon avis. Ça sent réjoui. Ah, ça prend des flèches, là-bas. Au fond, là, ça a pris, là, aussi. La potion de regen qui vient d'être claquée. Bon, bah, ils vont là, rusher. Ça va rusher, c'est ouais, quand même un bon arc, hein, quand même. Hein. Ouais. Là, voilà, Armand, là, qui s'est focus dans l'eau. Faut tirer combien de flèches... Ça dépend dans l'eau. Ah, voilà, Armand qui vient de jammer. Ouais. Là, c'est combien de flèches ont tu quelqu'un avec Stark? 5-6 flèches, je pense, d'affilée, mais après, il faut qu'il regène. Ouais, il faut bander à fond aussi. Ah voilà, la popo de regen, un peu trop tard pour zombie. Et Romy, la team à Romy qui vont faire un perfect. Ou, par contre, Emen là, par contre, il prend. Ouais, bah c'est bon. Ça se défait très facilement. Ils se sont même frappés entre eux. Ouais, bah, c'est un combat facilement remporté pour la Sun Effect. Donc on se retrouve tout de suite pour le troisième quart de finale. A tout de suite. Et retour, donc on se retrouve pour le troisième quart de finale. Donc les Stabilo contre la Perfect Team. Vu qu'il y avait une équipe qui n'était pas là, donc les Stabilo rejouent et c'est parti. Go, donc là ça joue à l'arc pour la Perfect Team qui est ici avec Zach Williams, Spireball et Crazy Vibble. Go refermer, on est nickel. Et là-bas ça joue à l'arc aussi, Tsuka, The Mask et Soki. Moi je pense qu'ils vont rusher Tsuka et The Mask. Ouais, Tsuka et The Mask ils ont tendance plus à rusher, donc on va voir ce qu'ils font. Ah, The Mask il y va. The Mask il y va, il se prend beaucoup de flèches avant d'y arriver, voilà, il commence à taper à la main, enfin à l'épée. Oh là ça part en gros fight. Popo qui claque. Ah ouais. C'est qui prend le plus cher là? Tsukasa non. Soki, The Mask prend cher aussi. Bah c'est vrai, Tsukasa il prend vraiment cher aussi, ouais, on va dans le coin là. Zach William il prend cher par The Mask. Oula, là, Tsukasa, je pense qu'il y a moyen. Il y a que des AV1. Peut-être que c'est. Ouais, Spireboy qui va mettre la popo de regen là. Ouais, mais il souffre hein, quand même. Ouais, mais il l'a mis que sur lui et ouais. Il vient de mettre. Ouais, il a récupéré tous ses cœurs, Spire, je pense. The Mask qui prend cher. Voilà. Ouais, on a The Mask qui vient de mourir. Spireboy aussi il prend cher. Soki, ouais, il prend cher là ici. Soki va mourir, je pense. Il y a Tsuka aussi qui prend cher. Voilà. Ils ont toujours la popo de regen. Ah non, c'est Tsukasa la popo de regen, donc là pour la main, il s'est soin, Suki. Suki, là, c'est un joli 3v2 là, ils arrivent bien à se défendre encore. Ils ont tous leur popo. Ah, Suki qui vient de mourir, 1v3 pour Tsuka. Il y a Crazy Vibble qui tire à l'arc.
Non, bah il est mort. Ils vont mourir, je pense. Ça va pas le faire. Il va galérer. Ah, Zach William qui vient de mourir. Tsukasa. Oh. Ah non, il a tué son pote. Ah non, c'est Crazy V parce qu'il a shot. À l'arc, dommage. Deuxième team kill, j'ai envie de dire. C'est pas seulement si que ça arrive, mais ça doit gueuler quand même, je pense. Ouais, surtout après si tu perds le match, enfin, je pense pas qu'il va perdre. Bah, mais il joue pas super bien en équipe là, parce qu'il aurait dû aller à deux dessus. Mais ouais, bon, ça va, ils ont géré quand même. Donc la perfect team remporte leur match. Donc on se retrouve tout de suite pour le dernier quart de finale, l'allié. Et donc tout le monde, donc on se retrouve pour le dernier quart de finale. Donc là, YOLO SWAT contre la Sword of PvP. C'est parti. YOLO. Ouais, je pense que les YOLO SWAG vont gagner assez facilement leur match. Moi, je pense aussi. Moi, je pense pas quand même. Ah, quoi que ça rush, il y en a un qui rush. Il y en a qu'un qui rush. Et Jimmy, il reste tout seul. En plus, ils ont tous la même câble. Jimmy, il se défend mal. Moi, je pense qu'Aurélien, il va mourir. Jimmy, il a déjà plié. Ouais, ils ont mal joué. Ouais, carrément. La YOLO SWAG, il y va en 1v3 comme ça. Ouais, il va en 1v3, il a pris moins une dizaine de coups. Voilà, il tombe déjà. Il est déjà mort. Ils ont très très mal joué. Il cadre mal. Il fallait pas qu'il rush tout mal. Seul quoi. Non, il a vraiment mal, ils ont vraiment mal joué. Razer qui se fait focus. Et un Dinky si on avait un. Ouais, Razer là il se fait trancher, il sait pas ce. Voilà, genre. Cratère, qui est mort. Là, il a jeté une potion n'importe où. Ouais, il alors en non, 1v3, ça fait effet. Ça fait effet. Ouais, Dinky qui avait le kill, voilà. Le perfect pour la YOLO Swag. YOLO! Donc on se retrouve tout de suite pour la première demi-finale, la Dark Mortry vs la Sound Effect, et là ça commence à se corser un peu les combats, j'ai envie. Ça envoie du lourd. A ouais. Tout de suite. A tout de suite. Et re tout le monde, donc on se retrouve pour la première demi-finale, donc la Sound Effect vs la Dark Mortry. Donc dans la Sound Effect, on a Romy B. Digund. Et qui d'autre? J'arrive pas à lire. Dark Flame, voilà. Alors attends. Alors là c'est. Romy Dark Flame. Et dans la Dark Flame, on a Mysterious, Kipom et. Kipom. Ok, ouais. Allez, c'est parti, go! Alors là, par contre, ouais, je pense, petit avantage en Dark Mortry, je pense qu'ils vont gagner, ils vont être encore deux vivants. Ouais, je suis d'accord. Qui c'est qui est Pomme et Hollande? Ouais. Ou les autres? Ah ouais, qui est Pomme et Hollande je sais pas. On a Mysterious qui rush ça, en 1v2, ouais. Ouais. Ah, ça joue mal, il est en 1v3, là, il va prendre très très cher. Ouais, il prend vraiment beaucoup de coups. Il y a toujours un arc là-bas. C'est pas très bien, ils sont 3v1 en vrai. Loin du combat à l'arc, ça aide pas son équipe hein, parce que ça m'étonnerait qu'ils mettent beaucoup de flèches. Yev qui est en plein cœur d'action aussi. Ah, Hollande qui vient de mourir. Ah, quoique, ça va être. Ou, Dark Flame qui. Ouais, Mysterious, ça va être trop cher. Mysterious, là, il fuit là. Ah, ouais, c'est bon, Mysterious, il est mort. Kaipom, c'est pas trop cher. Ah, ouais, je pense que ça va être chaud. En fait, pour la Dark Flame. Kaipom et Mysterious. Ouais, non, Kaipom, il vient mourir. Mysterious aussi. Ah, quoique, Dark Flame prend cher. Il pourrait se retrouver en 2v2. Là, tout le monde a des popos de Rochelle là, j'ai l'impression. Donc, il y a une potion de Stone Ace. Il y a une potion. Il y a le saut de lait aussi. Ah, le saut de lait. Ouais, c'est bon, il est mort. Dark Flame, c'est la fin. Au revoir. Ouais, quoique. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Non, Kipom en 1v3 là. Meurtri, ils étaient en 3v2 et il y en a un qui est mort. Il a peut-être ses chances. Non, ils étaient en 2v3. Il reste plus Kipom en 1v3. Voilà, Kipom. Non, je sais, mais au début, dans le coin, il y en avait un qui était là. J'ai mal joué. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. C'est juste l'organisation, ils se sont mal placés. Ils ont géré. Ouais, je pense. La Sound Effect, on la retrouvera en finale. Donc on se retrouve tout de suite pour la deuxième demi-finale. La Perfect Team vs la YOLO SWAG. Et re tout le monde, donc on se retrouve pour la deuxième demi-finale. Donc là, YOLO SWAG vs la Sword of PvP. Donc dans la YOLO SWAG, on a Dinky, Aurélien et Yosh. Et dans la Sword of PvP, on a Crazy, Spireboy, Isaac. Voilà. Donc c'est parti. Go. Let's go. Bon match. Ok, ouais. Deux popos qui ont été jetés du côté YOLO. C'est bon, ils sont sortis. Ouais. Allez, go. Ça rush côté YOLO, non ça. Ils vont rush à 3. Moi aussi, ça rush. Ou ça rush du côté Yosh, Dinky. Et Spireboy là qui contourne. Ouais, les contourne. Voilà, pour l'instant, ils sont 3v2, voilà, ça arrive. Donc là, Dinky vs Zach William. Zach William qui prend cher quand même. Spireboy aussi. Aurélien qui fuit, il doit plus avoir beaucoup de cœur, Aurélien. Ouais, Aurélien arrive quand même bien à l'esquiver. Ouais, mais il esquive quand même pas mal. Ah non. Il y a un JK qui s'est ramené. Il se tente du 1v2. Ah, c'est quoi le pseudo? Yosh, il a frappé Yosh. Yosh, il a frappé Aurélien. Deux fois. Ah ouais, c'est bien. Et Aurélien, il a frappé aussi Yosh. Ah, Crazy, qui vient de mourir. Ouais, c'est bon, ils ont gagné. Mais là, ça sent du free and fire. Hein. Free and fire, là, c'est obligé. Ouais, c'est que le papa, il est Spire, là, il est tout seul.
Regarde, il se frappe par ses alliés. Ouais, ils vont mourir par team, regarde. Spire, il va... Non, il va pas y arriver. Ah non, mais il peut pas, mais... Il s'organise mal, c'est dommage, parce que... Regarde, non, il se frappe entre alliés. Il se frappe entre alliés, quoi. Oui, mais ils sont quand même forts, à moins que ce soit l'auto-click. Oh, mais Yosh, il t'a passé vite, quand même, Yosh. Ouais, il y a peut-être une rage. Non, non, Yosh, il frappe pas vite. Mais non, mais Spireboy, il arrive bien à esquiver, quand même. Bien joué, c'est... Il meurt pas. Même il a le popo de... Voilà, bah là, il Regen 10 000. Voilà. Bah GG à eux, quoi. Bah ils sont en finale hein. Là. Ouais, il a quand même bien joué, Spider-Boy. Faites gaffe qu'il n'y ait pas des mecs. Ouais, ouais. Donc bah, on se retrouve tout de suite pour la petite finale. Donc ça sera la Perfect Team contre la Dark Meurtrier. À tout de suite. Et re tout le monde. Donc on se retrouve pour la petite finale. Donc pour la troisième place, la Perfect Team contre la Dark Meurtrier. C'est parti. Go. Donc je pense, vous pensez sur qui vous? Dark Murtry. Une potion de heal qui a été lancée dans l'eau, lol. Super, tu peux dire à Mimo d'arrêter de me flouze en okay. King de Wolves, alors, Kipa, Meoland. Ouh. Ah, ça joue à l'arc. C'est Poyam qui s'est pris une belle grosse flèche. Hein. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il fait, Kipa? Regarde. Je sais pas si c'est qui va rush en premier. Il y a un mec, il y a un Kikoulol qui regarde en haut, faites gaffe. Ouais, donc alors c'est un combat. Il y a Crazy Vip qui rush sur Holland. Ah, Holland là-bas, Holland qui fait une agro, Kipom qui va en 1v3. C'est défoncé là. Je pense Kipom qui va faire le premier. Ouais, ils sont trop dingues. Ils font trop les. Zach William qui a le bug, j'ai l'impression. Wow, ça part. Il y a les potions de heal qui a soigné tout le monde, je pense. Vu comment elle a été lancée. Oh, c'est dans le coin là. C'est... King de Wasp qui prend très très cher, hein, j'ai l'impression. Et Crazy Vibes aussi. Je sais pas de quel côté ça va mourir en premier. Zach William qui met la popo de soin. Pour l'instant ça fait du 1v1. King de Wuss qui prend trop cher en fait par rapport à hein. Non, là, c'est pas King de Wuss qui a tué Spire Boy. Il prend super cher là. K-Pom qui prend en cher. Moi je trouve que ça va encore K-Pom. Zach William il prend très très cher aussi. GG, j'avais pas vu. Donc ça fait du 3v2 pour la Dark Meurtrier. Pour l'instant ils sont en. Ils peuvent gagner. 3v2, sauf s'ils se retrouvent en 2v2, là ça pourrait être plus compliqué. Ah, 2v2! Oh. King de West qui vient de mourir. Ah, ouais, Kravis aussi qui meurt. Et oula, ça se retrouve en 1v1. Oh oui, en Kipom 1v1. Qui meurt. Donc, c'est la première fois que ça se termine. Ouh, Zach William qui prend trop cher. Sur cette 3ème place. Ah, oula! Zach et Hollande qui fait gagner son équipe sur ce magnifique coup. Je veux dire, GG a eu quand même. Ouais, c'était un bon match. Un combat très très. Un des plus beaux combats, je pense. Qui se finit en 1v1. C'est pas souvent qu'on voit des combats. Attends, je vais prendre, tu me killeras. Donc on se retrouve tout de suite pour la finale des qualifications du Faction 3. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Tout de suite. Et re tout le monde, donc on se retrouve pour la finale du Faction 3. Donc la Sound Effect vs la Yolo Swag. C'est parti. Donc je pense que ça va être un joli combat aussi. Ça tout de suite. Là, je pense aussi, enfin toutes les finales sont de beaux combats. Il y aurait un peu ouais. Sorti, c'est bon, tout le monde est sorti, ouais, c'est bon. Oula, il y a tout le monde qui commence à contourner là. Ouais, ouais. Ouais, ça part en gros fight. Ça joue direct, ça va être un beau match. Pas trop à l'arc. Oh, oh. Ouais, il y a. Oula, ouais, ça part, on peut pas trop savoir là qui gagne. Dark Flame qui prend cher. Badisigan aussi. Badisigan aussi. Ouais, je pense avantage au Yolo Swag là. Il a eu popo de soin, ils sont croisés, ils ont mis la popo de soin, ça a dû en soigner deux et redeux encore. Oh, un petit lag. Badisigan qui prend cher aussi. Aurélien qui prend quelques coups. Dark Flame qui fuit, Dinky qui le suit aussi. Oui, c'est un beau fight. Aurélien qui vient de mourir, waouh, c'est. Sérieux? C'est pas normal, ouais. La Yolo Swag qui sont en 2v. Oh, Romy, non, c'est qui vient de mourir? Dinky qui vient de mourir. C'est Dinky. Ouais, donc Yosh et Yosh qui vient mort. La Yolo Swag qui vient de se faire éclater. Elle m'a surpris là. Ouais, la Sound Effect. On les connaissait pas trop. Et en plus. Avec Dark Flame, ouais. Ils ont géré quoi. Ouais, ils ont géré, ils gagnent la finale. Et donc ils finissent premier. La Yolo Swag est deuxième. La Dark Murty troisième et la Perfect Team. C'est déjà bien quand même, deuxième. C'est déjà bien. Et c'est sûr que deuxième sur 8 pour le moment, ça va. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, c'est tout le monde. Salut. Salut. Salut.